Et re-YouTube, et bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. On est ensemble, normalement. Tiens, la VOD précédente, est-ce que ça ce serait pas... Ça serait pas Noël. Attendez. Donc là, c'est la... troisième... quatrième. Troisième ou quatrième? Ah ah! Parce qu'on est le... J'ai même pas souhaité un joyeux Noël la VOD d'hier. Oh, mon Dieu. Normalement, on serait le 26. Ce soir. Troisième. Troisième? Attends. Nous sommes le... Ah non, c'est la quatrième VOD. Nous sommes le 17. Alors, le 17, 1, 2, 3 et quatrième. Eh bien, nous sommes le lendemain de Noël. Le lendemain du réveillon. Donc joyeux Noël. En retard. Oh, je vous ai même pas souhaité joyeux Noël hier quoi. Joyeux Noël YouTube. Et en effet, joyeux Noël un peu en retard. J'espère que vous avez plus la gueule de bois. J'espère que ça roule pour vous. Que vous avez bien mangé, que vous avez bien fêté ça en famille, entre amis, que les cadeaux vous ont été favorables. Et que vous n'avez pas déjà tout revendu sur eBay ou sur seconde main. Attendez au moins la semaine prochaine. Histoire que les gens voient moins que vous le faites, quoi. Ah bah oui. Bah donc, le pull de Noël qui est en... Voilà. Qui est bien. Donc, 1, 2, 3. Bon, bah on retourne à Berghost, hein. Ah, j'aimerais bien explorer là, ça me perturbe de savoir que là on n'a pas fait. Là, si, là on a fait. Là, on a fait. C'est bon. Faudrait en fait que j'imprime ce plan. Ah, mais ça veut dire que je vais devoir l'imprimer plusieurs fois, etc. Et trouver le plan complet, ça me spoil des endroits quoi. Yoko, ton pull de Noël est déjà has-been, il faut changer, c'est passé Noël. Ah oui, c'est vrai. En fait, il était en avance la première VOD, la deuxième VOD, ça allait. Hier, c'était pile comme il fallait. Aujourd'hui, c'est trop tard. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il faudrait changer. Est-ce que je vais faire ou... Non. Donc, j'ai des scalps en plus. Pearl of Flame dans Berghost. Voilà, Tazok, on va y aller. Sud-Sud-Est, Berghost. Les demi-ogres. Oui. Alors, l'officier veille. Vaille. On a su s'occuper, je vois. Continuez. Plus j'aurai de scalp, plus vous gagnez d'argent. Je les prends tous. Alors. Voilà, scalp, 150 pièces d'or. Et là, il enlève son pull et en dessous, il a un t-shirt. Bonne année. Ah, oh, ça serait trop marrant. Ah, malheureusement, non, j'ai pas. J'ai pas de t-shirt bonne année. L'année prochaine, pour l'année prochaine, je ferai ça l'année prochaine. J'aurai un pull et puis je ferai... Ah oui, c'est vrai. Bonne année. Mais étant donné qu'il est peu probable que je recorde une vidéo... Enfin, on sait jamais, l'année prochaine, on n'y est pas encore. Donc peut-être que ce sera le cas, en effet. Donc, Jourdain, là, t'es où? Ah, il est là. Alors, vous avez essayé ces armes sur cette demi-ogre? Bah oui! Bah oui! C'était pas une quête, en fait? En fait, il en a juste rien à foutre à la recherche de scalp de bandits. En fait, il en a juste rien à foutre. Putain! Mais j'ai massacré des demi-ogres! Et là... Oh, je les ai... Vous l'avez fait? Est-ce que vous avez correctement massacré ces demi-ogres? Mais salaud! Que vous m'ennuyez. Ah non, c'est peut-être pas lui. J'ai parlé à... Déjà, je vais aller vendre tout ce que j'ai. Est-ce que l'aube... Est-ce qu'il y a un serveur? Et le serveur, il est au comptoir. En fait, j'allais dire... Mais le truc, c'est que... Non, comme... En fait, pour avoir une diffusion d'une vidéo, le premier... 1er janvier, il faudrait que j'enregistre ça le 24 au soir, étant donné qu'on a une semaine de décalage.
Le VOD du mardi commence le lundi suivant. Et le 24 au soir... Je suis pas vraiment disponible, quoi. Donc l'arrondage, on peut jeter... Putain, il va rien acheter, lui. Je te déteste. Je te déteste. Problème. C'est comme ça, paf. Hein? Je laisse une rondage sur le sol. Pff, tiens. Après, peut-être que l'année prochaine, on fera 6 vidéos par jour. Enfin non. Par mardi. Enfin, par jour, par mardi. Et que donc... Il y aura peut-être un plus grand décalage qui se fera de jour en jour. De semaine en semaine. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, en fin d'année... Je pourrais te dire, hey, joyeux Noël et bonne année! Si tu fais des vidéos de 20 minutes, c'est bon, t'en as pour la semaine entière. Je fais 5 vidéos de 35 minutes, plus ou moins. Ça fait du lundi au vendredi et pas le week-end, parce que le week-end c'est à repos. Alors qu'est-ce que vous avez à proposer? Achète-moi des trucs. Non, pas. Justement, pas l'anneau. Un casque anti-charme. Ah, mais il a des trucs intéressants lui. En vrai, flèche plus de Arclon composé. C'est dommage, personne ne peut utiliser d'Arclon. Tac, un écu plus 1. Baptisé, bouteille, ceinture. Casque anti-char. Charme. Rme. Presque. Et la rapidité. Alors, anneau. J'aime. Anneau d'argent, ça vaut que dalle. Armure, hop. Arclon, il veut pas vendre l'Arclon, putain. Attention, des gobelins, des chars d'assaut. Mythe. Mythe, vêtez vos casques. Oh là là. Il est temps que les vacances arrivent. Ça... Ça commence à être compliqué. Collier de gemmes. Anneau, gemmes, anneau. Vente. Un grenat, yes. Il faut trouver un truc pour identifier. Putain, mais j'ai rien trouvé d'identificateur. Dans cette ville de mort, putain. C'est... Verigos de mort, quoi. Et ton sud-sud-est, là? Putain, je t'en foutrais, Bjornir. Allez voir au sud-sud-est. Gorion serait fier de vous. Ah ouais, tout à fait, à massacrer des ogres. Ah, putain. En fait, je sais qu'à Nashkel, on peut faire identifier des trucs. Enfin, il y a un truc pour identifier. On peut pas aller jusque Nashkel, quoi. Après... Ouais, si on allait... Ah non, parce que de toute manière, je dois aller là. Je dois retourner à Berigost pour aller voir les bottes du gars. Et dire qu'après, on a le festival, la tour de Durlet, Nana de Flamme-Vin, Ulcaster, le camp des bandits. On doit aller au camp des bandits. On ira au camp des bandits après... On va faire Nashkel, on identifie, on retourne à Berigost, on va aller se faire piquer 35 pièces d'or par le nain. Ensuite, on ira. Ce sera fait. Et je sauvegarde, évidemment. On va y arriver. Ne vous en faites pas, on va y arriver. On va réussir la quête de... Des gobelins. Aucun problème. Des bandits. Faut voir. Entre la pénurie de fer et tout le reste, les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Ouais, vas-y, tu m'as cherché l'arc long. Trop bien, merci. Hop, ensuite, allez, tout le monde se barre. 18 pièces d'or alors que l'autre, il lâchait 37. Hein. Et bon. Attends, est-ce que lui, il fait une identification? Regardez à ça. Ce sera fait. Rebonjour.
Entre la pénurie. Vous faites yes, tu fais de l'identification. Toi, je t'aime, petit PNJ. Alors, qu'est-ce que tu as? Classe d'armure plus 1, jet de sauvegarde plus 1. Yes. Anneau de prot plus 1. Ça, c'est cool. Une baguette. Ok, baguette, il veut pas identifier, il va falloir aller au temple. Identifier, anneau de protection plus 1 encore. Yes. Un bâton normal qui est un bâton plus 1. C'est ça, 1 D6 plus 1. Bon, ça va être pour Edwin. Au cas où, on vient l'attaquer au corps à corps. Une épée bâtarde. Faut voir avec Khalid si c'est pas s'en servir. 2 D4 plus 1, ça peut être intéressant. J'ai pas une épée à deux mains, moi. Ah voilà, épée à deux mains, je me disais aussi. Épée à deux mains plus 1. Ça, c'est pour Ming, c'est pas mal. Plutôt que son épée à deux mains banale. Hop, identifié. Son nom, les bottes de furtivité. Est-ce que les bottes de furtivité... Soupir là. Autrefois, un roi nommé Rigard était renommé pour ses espions. Oui, bon. On peut tenter de voler des trucs, mais faut pas trop la peine. Donc, nous disions. Qu'est-ce que c'est, ça? Accorde un sort supplémentaire de chaque niveau, du premier au quatrième. Uniquement utilisable par les clercs et les druides. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Hop, classe d'armure moins 3. Hop. À cause d'autres objets magiques que vous portez actuellement. Mais ils portent rien. Est-ce que Comitar c'est la maître? Ok, bon, bah, pas pour toi, on va voir pour Khalid alors. Tu remets l'anneau d'infravision. Ça n'a pas encore été détecté. Toi, c'est pour mille. Pour toi. C'est quoi ce parchemin? Allez, le parchemin de Gorion. Signé E. Et on a rencontré un E il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, épée à deux mains plus 1, comparé à une épée à deux mains. Bon, voilà. Hop, merci. Tac. Alors toi, tu te bats avec une épée longue plus 2. 1 D8 plus 2. Donc 1 D8 plus 2, il fait minimum 3, maximum 10. Plus 1 de froid. Donc, il fait donc, 1 D8 plus 3, en vrai. Ce qui est pas mal. 1 D8 plus 3, ouais, ça fait 4 de dégâts minimum et 11 maximum. 4 11. Voilà, merci. Et comme le dit Moubot, n'hésite pas à follow la chaîne. Moyenne de 7,5. Exactement. Tandis que lui, 2 D4 plus 1. Il fait entre 3 et 9 maximum. Donc il fait moins. Donc c'est pas ouf. En plus, c'est le type de compétence épée bâtarde. Et Khalid, c'est l'épée longue, lui. Exactement, épée longue. Donc en gros, c'est même pas utile pour lui. Alors, Imoen, très bien. Alors, les bottes de furtivité, oui, ça va être à rendre. Et bâton plus 1 à la place de un bâton normal. Qu'on peut laisser par terre parce que personne n'en veut. C'est un bâton de mort. On va racheter un peu de billes pour Jaira. Dwin, il a encore ce qu'il faut comme billes. Ah, quoique, voici. Et moi, une question flèche. Tranquille, ça gère. De toute manière, bientôt elle ne sera plus en utilisée. De toute manière, il y en a encore 3x40 et 3x42. Il y en a encore 640 en réserve. Et là, tout va bien. On va juste vendre ça, ça, pas ça. Ça, on va aller identifier. Une baguette de projectiles magiques et une baguette de froid, je dirais. Aucun problème. À l'aise. Donc ouais, l'épée de Khalid, en vrai, elle est pas mal. Hein. Pas mal du tout, même. Sauvegarde.
Sauvegarde. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je sais, mon groupe est en route pour se réunir pour aller plus loin. Ah là là, cette voix. Guillaume veille sur vous conformément à votre demande. J'ai demandé, mais merci. Donc, un projectile, en effet, je vais la vendre parce que ça me sert à rien. Et là, c'est... Ah, un éclair. Alors, l'éclair. L'éclair, c'est bien, mais en fait, non. Enfin, on pense que c'est bien. You think you do, but you don't. Parce qu'en fait, ça rebondit. Ça rebondit sur les murs. Et t'as pas envie que tes trucs rebondissent sur les murs, etc. Tu crois que oui, mais en fait, non. Hop. Et un petit saut en plus pour la prime. Et donc là, maintenant, on va retourner voir le marchand de Nashkel. Disons que quand on a un PNJ à qui on aime bien vendre, on aime le garder. Comme ça, on vend toujours le tout au même PNJ, comme ça... Comme ça, à force. Et j'aimerais bien trouver ce PNJ à qui je dois rendre mon métal contaminé, mon fer contaminé. Le fer contaminé, pour me virer un peu d'espace. Mais bon, ça me prend 3, 4, ça me prend 11 places dans 3 inventaires au total. Mais 11 places quand même pour que dalle, quoi. Et bon, Imoen, dès qu'elle elle va de nouveau avoir de la place. Qu'avez-vous à vendre? Je voudrais vendre ceci et ceci et il ne veut pas. Ce sera fait. Évidemment, il veut pas. Aucun problème. Donc, on retourne à Berigost. Il va falloir que je renote sur une nouvelle page, hein, Baldur's Gate. Truc à faire, parce que bon. Voilà quoi. Les trucs sont un peu barrés, j'ai plus beaucoup de place pour écrire les quêtes et les trucs à faire. Donc, nous disions Berigost. Hop. Berigost. Pourquoi Berigost? Ah oui, pour ça, putain. Ah, j'ai pas vendu l'épée bâtard plus un, etc. J'ai pas vendu ces deux trucs-là. Putain, il est où encore le nain? Là-dedans? Peut-être là-dedans. Que dit le journal? Terminé. Le journal dit... Bandit... Les bottes. Un voleur. Cherche à m'éviter. Il m'a dit que des hobgoblins lui ont dévoré des bottes dans les amas rocheux. J'ai comme l'impression que le seul moyen... de récupérer mes biens et de lui rapporter. Putain, j'aurais dû noter où il était, quoi. Parce que bon, là... Yes, c'est lui. Non, roturier, serveur. Il est où le nain? Il est là. Comme tout nain voleur, il est dans la cuisine et dans l'arrière-boutique. Les dieux, ce sont les dieux qui vous envoient. Tenez, voilà tout l'or que je vous ai pris. Peut-être que je suis un peu kleptonane, mais j'ai mon honneur, pas vrai? Eh, je vous donne 100 pièces d'or pour votre aide. Prenez ça comme une avance sur vos poches. Tant de bruit pour de stupides bottes. Et tu sais quoi, Komitar? Avec ces bottes, il va devenir encore meilleur au vol à la tire. Alors, gardons un œil sur notre argent, tant que nous sommes dans le coin. Qui, moi? Mais pas du tout. Mais si, ouais, si, quand même. Allez, les bottes, c'est fait. Marie de Marianne. Allez, ça, c'est vrai qu'on l'avait fait. Et j'ai pas noté les bottes. J'ai pas noté les bottes. Bon, bah, c'est pas grave. Oui, ce sera fait.
Attends, toi, est-ce que toi tu me vends? Tu veux rien du tout. Est-ce qu'on se reposerait pas avant d'aller au nord, etc. Ouais, c'est bon. On n'a pas lancé énormément de sorts, ça vaut pas trop le coup. Pour. Voilà. À l'aise. Juste explorer là le petit coin, le petit triangle de noir là. Ça me ferait un peu chier que Perle of Flame soit justement dans ce. Dans ce triangle. J'ai tellement de doutes. Enfin non. PNJ de quête qui serait caché comme ça. Quand même. Ouais, bah oui. Ah, c'est pas grave. On finira bien par le trouver. On finira bien par le trouver, tout simplement. Enfin, ouais. Allez, l'auberge de Bras Amical. Ensuite, sortons par la droite. Du. C'est vrai que là, j'ai pas tout exploré non plus. Hein. Quelques petits manquements. Alors, au bout d'un moment aussi. En vrai, je pourrais voir pour accélérer le jeu. Mais j'ai besoin de repos. Quoi, déjà? Oh, mon armure commence à me gratter. Eh, t'as marché 12 heures. Putain, en plus, tu portes pas grand chose, quoi. Oh là je là. Suis prêt. Franchement, Minx. On va faire un effort, quoi. Parce qu'on découvre une zone quand on va là. Ah ouais, en effet. 28 heures pour le camp des bandits et Valpeld. Ha! Je veux dire, Général Van Pelt, mais. Mais non. C'est bien ça. Au repos puis sauvegarde. Comme ça, si on est attaqué et qu'on meurt, on peut pas revenir. Bon allez, camp des bandits. Après tout, on a tellement de choses à faire dans ce camp des bandits. Déjà par commencer par tuer tout le monde. Sauvegarde, c'est fait. Sauvegarde, ça fait. Suivons le chemin. Votre présence est bienvenue dans ce groupe. Tout à fait. Et oui, chroniqueur dans un podcast belge qui sent les frites et la bière. N'oubliez pas, j'allais dire tout un vendredi sur deux. Mais là, c'était vendredi passé, c'était notre dernier podcast de la saison. Voilà, pause hivernale. Et on reprend le 10 janvier. Soyez présents le 10 janvier sur geeksleague.be ou twitch.tv/geeksleague hein, aussi. Ou abonnez-vous au flux RSS. Parce que vous avez. Si vous ne connaissez pas, sachez que vous avez 187 épisodes de retard. Donc ça vous fait pas mal d'heures d'écoute. Il y a de quoi faire en tout cas. La date de War 3. Est annoncé. Ah ouais. Mais pardon, je change de sujet. Non, t'en fais pas, c'est pas grave. Ils ont annoncé le combien? Le 30 décembre? 29 janvier. Bah Blizzard va prendre quelques procès. Parce qu'ils avaient annoncé le 31 décembre au plus tard. Et comme aux US, si tu annonces un truc que tu ne le fais pas, c'est la merde pour toi. Il m'a pas vu. Hey, il m'a pas vu. J'ai besoin de repos. Mais putain, t'es sérieux? Oh, mon armure commence à me gratter. Ok, on a marché 28 heures pour aller au camp de bandits. Mais on s'est reposé 8 heures avant. Oh là là.
Allez, dormons. Ouais, chaud. J'avais prévu large d'ici fin de l'année et masse soucis et masse bug. Ouais, ouais. Ça, c'est pas mal. Il y a le camp de bandits qui est juste là. Dormons juste derrière, genre juste là, dans la petite étable. Mmh, parfait. Donc ouais, ils avaient prévu large d'ici fin d'année et masse soucis et masse bug. Ouais, ouais, ben. Bah. Ce sera fait. Et ça pue pour eux. Pardon. Malheureusement, ça pue pour eux. Je vais juste me lancer quelques buffs, en fait. Ok, Jaira, qu'est-ce que t'as comme buff? On sait jamais. Je pensais ne pas pouvoir avoir pire opinion sur ce groupe. Mais face à un tel comportement. C'est parce qu'on se buff avant d'aller attaquer, quoi. Les yeux, Bou. Il faut viser les yeux. Et bim! Là, ça mérite une raclée. Je peux pas vous laisser entrer dans la tente du chef. Vous voulez les trucs les plus importants. Je regrette, mais il va falloir mourir. Oh, t'inquiète. Toi aussi. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Vous venez encore me déranger? Tout à fait, Edwin. Vous venez encore me déranger? Oui, on vient. Ma lame vous coupera en morceaux. J'étais... Putain, c'est qui lance un sort? Et d'une Minx qui prend un peu cher. Mais c'est comme Warcraft 3, j'aimerais tellement leur faire. En vrai, j'aimerais vraiment leur faire. Oui. Mais il y a certaines missions de difficulté. C'est comme Warcraft 2. En vrai, je pensais pas à Warcraft 2 que j'allais galérer autant dans la mission, enfin dans l'extension. Et en vrai, je pensais que ça allait être aussi simple, même si c'était un peu compliqué, aussi simple que oui voilà, mais pareil mais donc que dans la allez que dans le jeu de base, donc bien Beyond the Dark Portal est putain de super dur comparé à Tide of Darkness. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Et genre bah regardez les vidéos, je galère à la mission 3. Un truc comme ça, enfin mission 2, mission 3. Putain, légèrement blessé et... Aucun problème. Metar Swing Minx. Et donc... Et donc oui, en vrai, moi aussi j'aimerais bien le prendre pour refaire la campagne. D'autant plus qu'à l'époque, j'avais fini. J'avais réussi à finir Warcraft 3. J'ai putain de chier sur certaines missions. Waouh, mais un niveau, mais c'est paf, beaucoup trop puissant. Enfin, j'en ai trop, beaucoup trop chié. Fini, yes. Mais on est toujours en combat. Non. Et donc voilà, en fait, oui, le refaire, ça serait bien. Au pire, tu prends tes gold de WoW, tu en fais des jetons, t'en fais des euros, et hop, Warcraft 3 dans la poche. Oui, non, mais voilà, c'est... Au pire, ça sera pas cher. Ça sera moins cher que gratuit avec WoW. Ça, c'est sûr. Putain, verrouillé, lui, verrouillé. Vous êtes une... Moi, je m'en vais. Allez, Imoen. Et oui, on s'en fout. Ah, ça par contre. Mais voilà, il y a certaines missions, en fait, juste, je sais que ces missions vont être horribles. Et juste pour ces missions que je sais qu'ils vont être horribles, je n'ai tellement pas envie de le faire. Genre déjà, rien que la dernière mission sur le mont Ijal, j'aurais en facile juste pour l'histoire. Je sais pas s'il y a s'il y avait un mode facile. Il y avait un mode facile à l'époque?
Je crois, ouais. Ah, ok. Ah, bah alors, pourquoi pas se mettre en mode facile pour l'histoire, ouais. Je suis prêt. J'ai un doute. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'il y avait normal et difficile, mais... Oh, putain. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. C'en est fini de vous... Je pense que c'était normal, difficile. Et c'est tout en fait. Oh putain, maître Minx, pourquoi ta potion? Et un carnage pour la brûle, va me falloir de l'aide très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Oh putain, Minx, il fait un coup critique, il OS le bandit. Vous commencez à me porter sur les nerfs. Et donc ouais, Warcraft 3, l'attaque de Dalaran, quand Kel'Thuzad se fait transformer en roi lich et qu'il faut défendre le puits d'éternité, la bataille du mont Ijal, tout Azjol Nerub, putain Azjol, Arthas dans Azjol Nerub. Il y a des moments historiques de l'histoire. Non mais oui, ah oui, clairement. Ça, je dis pas le contraire. Est-ce mort? Sauvegarde! Ah oui, oui, non, mais les moments historiques, non, mais clairement qu'il y en a. Ça, c'est sûr. C'est clair. T'inquiète, ça fait. Mais est-ce que la pénibilité de l'histoire vaut le coup? Je sais pas. À la pénibilité de certaines missions. Armure de plaque complète. Oh, nice. Ça va se revendre un petit peu. Moins 3, moins 5. Pop. Armure de plaque complète. Elle est là. Paf, moins 5. Minx, 0, 2. Moins 1, moins 1. Ok. Ça pèse lourd, hein. Ouais, ça pèse 50, hein, cette armure de plaque complète. La mort de Daylin. Ouais, bah oui. Je vais me mettre la fille du vengeur. La fille du vengeur salé. Ouais. White is, oh daughter of the sea. White is, etc. Je me refais du solo sur Mountain Teddy. Ah, moi c'était Green Teddy. Les heures et les heures sur Green Teddy. Pouah. Ce sera fait. C'était un petit peu abusé. Mais qu'est-ce que c'était bien, Green TD. Tellement adoré. J'ai joué à Green TD. Le mode le plus joué, c'est Green TD et Element TD. Sans aucune hésitation, c'est vraiment ça, quoi. Ah, mais je peux les stacker par plus. Ok. C'est juste le... Le jeu est en mode. Non, mais je veux pas trop que tu les prennes comme ça. Par contre, si tu glisses des poses, alors d'accord, là je veux bien que tu les prennes tous. Oui, aucun problème. Ah oui, d'accord, j'étais à... Mais. Tente du chef, s'il y a moyen de rentrer. Ouais, elle est là, ok. Et voilà, après en vrai, est-ce que. Merde, putain, Minx est au bord de la... Prêt à l'attaque. Armure et épée en place. Putain. Je suis prêt. En vrai...
Vous deux foncez dessus, vous trois foncez sur lui et. Qu'y a-t-il maintenant ? Et Dune balance un sort sur lui. Pour ceux qui ont péri ! Ouais, il faudrait que j'arrête d'avancer. Essayez de me tromper une fois et la honte s'abattra sur vous. Et que. Mais essayez de me tromper une seconde fois et attention à vous. Je suis énorme. Je sauvegarde, je dors. Tac. Paf, repos. Voilà, comme ça on verra encore mieux pour ne nettoyer. Pour looter les corps. Non mais alors, pourquoi est-ce qu'ils sont pas full vie? Je. Repos jusqu'à guérison, oui. En fait. En plus, si ça doit durer 45 heures, le repos quoi. Et on va avant de rentrer dans la tente du chef qui est juste là, vous saurez ce qui se passe dedans à la prochaine VOD. La dernière VOD de l'année, YouTube, ne manquez pas ça. On se voit demain. Et voilà, ne bougez pas, à tout de suite.